La photographie, c'est un métier de solitaire, il me semble. En tout cas, pour moi, oui. C'est un métier, moi, je le partage avec mon épouse. J'ai la chance de le faire avec Stéphanie aussi, qui est dans notre projet. Et puis, je pense qu'il faut de la solitude pour pouvoir créer. Il faut pouvoir entrer en immersion dans ces lieux et prendre le temps de la réflexion. Souvent, lorsque j'arrive dans des endroits, je n'arrive pas à faire des images. Il me faut un certain temps, un certain laps de temps pour pouvoir m'imprégner des lieux que je ne connais pas, pour pouvoir être bien. Et c'est à partir de ce moment-là où je ressens les choses, je vais commencer à faire mes images. Et à ce moment-là, tout va se déclencher, tout s'opère normalement. Une forêt, pour moi, est toujours une fenêtre, une porte ouverte à la magie. C'est ça qui est extraordinaire. Quand on rentre là-dedans, les gens se sentent tout petits. On est vraiment face à ces arbres. Il suffit de lever la tête pour voir qu'on n'est pas grand-chose. Et puis, tous ces sons aussi mystérieux, si on ne les connaît pas, mais voilà, donc on se sent captivé. Et la chevêchette fait partie de ces hôtes. C'est pour ça que cette forêt, pour moi, elle est un peu magique. Hein. Sortir comme ça, ça peut être sympa. Ça peut être une ambiance, hein. Ça peut être joli. Moi, je suis simplement un étranger qui arrive et qui va repartir, qui vient sur son territoire. J'essaie de l'approcher tant bien que mal, c'est pas facile. Et puis, je viens le rencontrer, hein, on fait une rencontre et puis je repars. Donc c'est un oiseau qui est extrêmement petit, la plus petite des chouettes d'Europe, qui est à peine plus grande qu'un moineau, qu'une mésange. Ce qui est étrange aussi, c'est qu'elle prédate ces oiseaux. Donc souvent, lorsqu'elle a capturé une mésange, la mésange est guère plus importante, plus imposante que la chouette. Et ce qui rajoute en plus de ça de la magie dans cette forêt, c'est justement qu'il faut la trouver. Elle se noie totalement et elle se fond totalement dans cet environnement qui est gigantesque pour elle, puisqu'elle est toute petite.
pour se rendre compte où vit ce petit être qui est la chevêchette, il faut quitter la forêt et puis il faut prendre de la hauteur. En prenant la hauteur, on voit ce qui se passe. Quand on est plus haut, évidemment, on voit les habitants du bas et on s'aperçoit aussi la fragilité de cette forêt qui est toute petite, qui est miniature, avec cet être qui est la chevêchette, qui est encore plus petite et qui est cet habitant de ces forêts. Je vais dans le Grand Nord parce que justement les lumières sont plus douces et qu'elles durent plus longtemps. Photographier, c'est écrire avec la lumière. Donc forcément, si on n'a pas de lumière, c'est compliqué. Dans ces pays, la lumière est permanente. C'est ce qui m'attire. Et puis, le second point qui m'attire dans ces contrées, ce sont les immensités. Avec les immensités, que ce soit des paysages grandioses, sans imprégnation de la main de l'homme, c'est ce qui me fascine, et surtout aussi fondre l'animal dans son environnement, que ce soit des oiseaux, des mammifères. Et pour être serein et pour être au mieux, je pense que justement dans ces régions où on est totalement isolé, ça permet vraiment de, un petit peu comme une méditation, de travailler cela et de mettre en lumière cela avec la photo. Passionné du Grand Nord, mais un travail de proximité. On a eu l'expérience de travailler dans les gorges du Verdon. Ça fut absolument fascinant. L'émerveillement n'est pas très loin. L'émerveillement, l'émerveillement, ça peut être une rivière, un petit oiseau, un single plongeur. Ça peut être un papillon, ça peut être des oiseaux comme ça qui passent en migration, un coucher de soleil, des nuages colorés. À partir du moment où on est émerveillé de tout, comme un enfant, je dirais, ce regard qu'on va toujours avoir, l'émerveillement, il est à portée de soi et vraiment il peut être partout. C'est ça qui est enrichissant.